Alors, donc merci pour cette merci à vous. lecture vivante et énergique qui rend la chose d'autant plus émouvante. Alors, donc avant de te poser une première question, je voudrais dire juste que quand j'ai lu ce poème, bien sûr j'ai été surprise parce que je ne m'attendais pas, je ne pouvais pas m'attendre à ça. J'étais à la fois émue et troublée parce que cet entrelacement de différents registres de textes, en tout cas qui font appel à des émotions très différentes et parfois avec une forme de froideur, et ben, au lieu de diminuer l'émotion, pour moi, l'a nettement intensifiée. Voilà. Et donc, j'ai quelques mots que j'ai retenus comme l'hérédité et la misère, comme aussi, reprendre parce que, une anomalie, une étrangeté, une femme, l'espace réduit, voilà, il y a beaucoup de mots qui sont extrêmement forts et qui résonnent avec ces archives. Donc je voudrais savoir, voilà, tout simplement, comment tu en es venu à écrire ce recueil. Alors le texte, La Dénoyée, c'est vraiment, c'est la première fois que j'entremêle un peu mes deux spécialités, qui sont la poésie et l'histoire, l'enquête historique. En fait, ça part d'une archive, qui peut être l'archive de tout le monde. C'est-à-dire que vous savez que depuis quelque temps, les archives des registres d'état civil, qu'avant il fallait aller chercher, il fallait faire toute une démarche, c'est souvent on s'intéressait à la généalogie, on allait dans les mairies pour les voir. Aujourd'hui, ces archives-là sont sur Internet. Elles sont ouvertes complètement, les registres. Surtout, ceux, bien sûr, du 19e siècle. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut signifier, le surgissement soudain de ces archives-là, dans notre présent? Qu'est-ce que ça peut réveiller? C'est ce qu'interroge mon poème. En partant d'une anomalie, le lieu du décès, et en essayant de reconstituer à la fois émotionnellement, poétiquement, et avec un peu les outils de l'historien, tout petit peu, j'ai sauté un passage où je dis que je retiens l'enquête historique sur des questions qui sont aujourd'hui, enfin qui sont d'actualité, parce qu'il n'y a que de la contemporanéité. Tout est contemporain dans les questions qui se posent. Ce ressurgissement d'archives, la question de la folie qui revient aujourd'hui, dans le débat, hein, de la place des femmes aussi, de tous ces noyés dans le temps qui soudain reviennent, et chacun peut faire l'expérience, enfin, c'est quelque chose qu'on peut faire, puisqu'avant il y avait toute une démarche, ces disséminations d'archives qui reviennent. Qu'est-ce qu'elles disent de nous? Qu'est-ce qu'elles interrogent et... Alors, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est qu'il y a un rapport à la simplicité, aussi bien, d'ailleurs, dans la forme, d'une certaine façon. Il n'y a pas de lyrisme, il n'y a pas de choses qui... Voilà, qui... Pas du tout de romantisme. Une forme de simplicité, de froideur, de lucidité, quelque chose de très... Et je dirais presque de pauvreté. Et ça m'a beaucoup... Ça m'a fait repenser, notamment à certains textes, alors ma sensibilité, hein, après il n'y a peut-être pas d'écho avec toi, mais de Bernanos sur la pauvreté et sur le rapport à, en fait, que tout un chacun a besoin d'être effectivement un aristocrate ou un grand de ce monde pour finalement avoir un rapport à l'existence qui est extrêmement troublant et vif. Et j'ai trouvé que dans ton poème, il y a de ça aussi qui ressort beaucoup et qui fait réfléchir sur... Merci. Le texte, en fait, qui m'a poussé à prendre la... D'abord à écrire quelque chose sur ça, sur ces questions-là. Et puis en plus, à choisir la voie poétique. C'est un texte d'Alda Merini, une grande poète italienne, qui a passé la moitié de sa vie en psychiatrique, qui a connu... qui en a témoigné, qui a écrit des textes absolument extraordinaires dessus, où justement elle témoigne, elle donne la parole à toutes ces femmes. C'est la dénoyée, la question de la femme, de toutes ces femmes perdues dans le temps,
qui viennent effectivement de ce qu'on appelle le pays des simples, parce que le cadre, le contexte, c'est celui du Bourbonnais de l'Allier, donc c'est le pays d'Émile Guillaumin plutôt que celui de Bernanos, et donc de ceux qu'on a appelés les simples, qui sont en fait les paysans, quoi, les agriculteurs, qui sont pas... Voilà, c'est les métayers, agriculteurs, des gens donc du village immobile. Et ces gens des villages immobiles qui tout à coup, dans juste une anomalie, qui est juste le lieu du décès, oui. Révèle toute une histoire. Et qu'est-ce que c'est qu'un historien? C'est quelqu'un qui va creuser dans le passé. Et la poésie peut, à certains... En tout cas, pour ces questions-là, la poésie est vraiment l'outil qui permet de rendre à la fois l'émotion, la réalité concrète des choses, enfin ce qu'il en reste, parce que c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, et encore dans une grange de botte de foin, quoi. Ça pose énormément de questions, et il m'a semblé que la poésie, c'est pour ça que c'est un texte un peu hybride. Réginald, à un moment, il a lu un texte qui est un extrait des archives, et puis après j'ai fait les cinq derniers cas, c'est des textes, pas expliciter mon texte, mais j'ai pris les cinq cas et essayé d'imaginer un petit peu, faire une tentative d'imitation de ce qu'aurait pu être le discours de l'époque face à ces cinq cas, que c'est alcoolique, névrose, et puis c'est dingue, ça veut dire qu'on peut aller, on pouvait aller au début de la Troisième République, on pouvait aller dans voyez en hôpital psychiatrique pour la misère. Oui, non, non, mais c'est... Voilà, donc ce rapport entre à la fois l'histoire... Ça fait réfléchir aussi sur la vocation d'historien, qui souvent, on imagine juste quelqu'un qui archive ou qui... Et finalement, dans ces désirs d'historien, on a le sentiment, à travers ce poème, qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a tout à fait autre chose, et qui finalement essaye de dénoyer. Oui, c'est ça. Historien, c'est quelqu'un qui dénoie, ou qui cherche à dénoyer, et qui n'écarte plus les historiens depuis un petit moment. Maintenant, on n'écarte plus les thématiques de l'émotion. Hein. Il y a Arlette Farge qui a évidemment beaucoup fait œuvrer pour cela, Alain Corbin aussi. L'approche par les émotions, l'histoire des émotions, est un outil de l'historien aussi. Donc, pourquoi s'interdire de croiser la poésie et l'histoire. Un des textes que je lisais en écrivant cela et en construisant ce recueil, c'est un texte de Michel de Certeau qui s'appelle « Histoire et psychanalyse ». Et j'ai ambitionné, en tout cas, bon, évidemment, à mon échelle, de histoire, psychanalyse et poésie, et dire poétique. Comment la poésie, ou le texte poétique, ou le texte hybride, permet d'allier un peu ces démarches qui proviennent plutôt des sciences humaines ou de psychanalyse, comment réussir à... C'est le poème qui permet d'exprimer cela. Il me semble. Oui, non, tout à fait. Donc voilà, alors maintenant... Alors oui, parce que... Question. Est-ce que tu souhaites faire une lecture ou est-ce qu'on laisse quelques questions? Oui, parce que le nom dans l'état civil, c'est Dunoyer. Et donc j'ai transformé en la dénoyer. Et après, on peut créer de la fiction, on peut créer du récit, du fictif, sans forcément devenir Lacan là-dessus. Mais enfin, on peut effectivement construire des romans et des choses comme ça. Moi, à un moment, j'ai arrêté la fiction, que ce soit une fiction vraiment narrative ou une recherche de narration historique, c'est-à-dire d'aller chercher dans les archives de ce qui reste de l'hôpital psychiatrique qui est en train d'être démantelé actuellement, qu'est-ce qu'il en reste de cette époque-là, parce que c'est un temps lointain. Là, je dirais que les sources, c'est 1879, donc c'est le 19e siècle. Un peu, c'est comment faire réémerger. En plus, j'ai cité le nom d'Alain Corbin. Vous savez, Alain Corbin, il a écrit un livre, le titre m'échappe là, actuellement. Enfin, il a écrit un livre où il a tenté de réinventer et de raconter la vie d'un paysan
du 19e siècle sans archives, sans rien, juste en essayant de réimaginer. On oublie peut-être encore un peu trop souvent que l'imagination est une arme de l'historien, est un outil de l'historien, mais peut-être que la poésie peut aussi être un outil pour l'histoire et pour la connaissance historique. Enfin, c'est toujours un récit. Alors, peut-être pas ça. Héraclite au trépas. Souvent, je me suis étonné du destin malheureux d'Héraclite. Ça, c'est une citation de l'Anthologie palatine. Vuer smatifé. T'as été au trépassement d'un champ? T'as la vue trouble? Au collège, nous nous régalions de la scène de Molière où Pierrot raconte à Charlotte comment il sauva Don Juan de la noyade. Rappelez-vous nos souvenirs de collégiens. Le dictionnaire de Trévoux rapporte l'expression burlesque et populaire. Voir mourir un chat, je suis désolé pour le chat qui circule dans la... Hein, n'aie pas peur, chaton. Voir mourir un chat désigne la berlue, comme si le spectacle cruel ôtait la capacité de voir, troubler le regard. L'expression nous faisait d'autant plus rire que l'accent paysan, nous le connaissions bien encore. De notre salle de cours de béton et de ferraille, nous pouvions contempler en rêvassant des champs et des prairies où paissaient encore quelques bêtes. On nous imposait la lecture de La Mare au diable et de La vie d'un simple. Ces romans nous ennuyaient, car ils parlaient d'un monde qui, malgré tout, malgré nous, restait proche et présent. Au bourg, les vieux roulaient les airs. Au bar tabac journaux, les bounoums vidaient leurs chopines. Il nous était facile de jouer aux gars du village. Notre professeur lui-même parlait avec l'accent des laboureurs du centre de la France. Fils d'un écrivain paysan, il portait l'héritage et la mémoire du monde que nous voyions disparaître. Depuis, les champs ont été aménagés en espaces verts pour la détente, la pratique sportive et l'exercice de la mélancolie. Nous moquions les bouseux de la scène 1 de l'acte 2 de Don Juan sans voir les yeux de notre professeur s'embuer de larmes. Il avait la vue trouble, et dans son regard noyé passaient les morts de 14, ceux de 40. Il avait assisté au trépassement d'un monde. Panda horike uzenmeni. Tout cède et rien ne tient bon. Dans ce pays déberlué, pour survivre, j'ai ouvert des livres et aimé des femmes. Mais c'est un chat qui m'a sauvé les yeux. Lubie adolescente, je l'avais nommé Héraclite. C'est un peu long pour un chat, Héraclite. Comme le présocratique. Héraclite, le splendide, l'obscur, le noble, le divin, le coq-braillard, le dénigreur de la foule, l'énigmatique, le terrible, l'extraordinaire. Héraclite était fier, Héraclite était libre. Il lui prit le désir d'aller battre campagne, de s'aventurer dans les herbes et les plantes, d'entrer dans des masures où il trouva de belles souris grises, à moitié crevées de s'être gorgées de mort aux rats. Héraclite s'empoisonna. Affaibli, chancelant, au matin, en un dernier effort, il sauta sur le lit, venant chercher caresse. Héraclite saignait, Héraclite râlait. On l'emmena en clinique, où il fut mis en cage, transfusé, torturé, comme si l'issue n'était pas évidente. Les brutaux qui jetaient les chats à la rivière étaient peut-être moins cruels, moins menteurs que ces cyniques sourds aux cris des bêtes. Le petit chat est mort, miaulant d'angoisse et de douleur. Son âme flaire dans l'Hadès. J'entends encore sa plainte déchirante. Voilà. Je m'arrête là. Encore. Voilà. En fait, le poème, vous verrez dans le livre, il y a aussi une césure de deux... page noire,
qui font que c'est un recueil en deux parties. Donc, je vais vous lire quelques poèmes de la deuxième partie, qui s'intitule « Troupe ». Le rêve, la fable, le mythe fonctionnent, fictionnent, foisonnent. On en fait un métier, une passion, une drogue, un art que l'on transmet de bouche à oreille en chuchotant l'air de rien. Il y a partout des jeux de masques. Il y a partout des jeux et des théâtres. Alors, jouons, jouons, jouons. Moran. Collé sur le guidon, la photo d'un champion. Maillot jaune, oublié. Tour de France 1958. C'était un vieux modèle. Il déraillait souvent, mais il roulait encore bien. Grinçant et cliquetant, l'enfant bouffi de livres partait de la maison près du chemin de fer. Morant, Saint-Martory, Aurignac ou Caser, sous le cagnard, il traînait le biclou. La Garonne coulait non loin de là, et il savait dans quel méandre plonger. À Moran, près du pont construit après la guerre. Une plage de galets où jadis il piégeait des tétards. Moran, c'est là qu'il découvrit au hasard de sa route un cimetière perdu. Dans le chaos des tombes des années 1900, ronces et lierres, sublimes champs de ruines où lire Maldoror et Vatek, fantasmagories, rêves, romans, tumultes, ronces et lierres, la Garonne coulait non loin. Il arpentait ainsi le lieu désolé, scrutant les stèles, tapant des pieds par peur des serpents. Tout à coup, face à lui, une boule grise, percée de deux yeux noirs, une tête de mort, qui le fixe et remue et tourne de droite à gauche. De droite à gauche. Glacé de peur, le promeneur finit par reconnaître l'animal nocturne qu'il vient de réveiller. La chouette, la hulotte, dormait entre les tombes, au milieu des gravats. Il la contemple, s'excuse, et puis, à pas de loup, il se retire, renfourche sa bécane, et file noyer sa peur dans le fleuve tout proche. Le goût de l'échec. Il est fort et amer, aigrelé et acide, et tu l'aimes, et tu ne peux te retenir de le chercher au cœur même de la joie. Tant puissante sur toi pèse la certitude que ce goût, c'est celui de ta chair même, tant ce vinaigre imbibe les mauvais draps de tes frayeurs. L'échec, ton échec, a un goût de prune pourrie, un goût de ciment, un goût d'eau de javel, de chagrin, d'abandon, un goût de fin d'été. Il est fort et amer, aigrelé et acide, et tu aimes le tuer. El Camborio. Espagnol, deuxième langue vivante. Et si changer de langue était la solution? Federico García Lorca fue asesinado por los fascistas en 1937. Même la TV en parlait. Au collège, le prof, bel homme, nous initia. Sentez donc, voyez la beauté, bande de petits crétins. À la mitad del camino, cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Antonito el Camborio. L'enfant, le gitan, lance des citrons, vous vous rappelez, dans la rivière d'or, mais la guardia civile l'arrête, l'emprisonne. Entôle, au trou, morveux menteur, petit salopard, et demain, on te fait la peau, on te crève, 24 claques, 25 claques, petit saligo. Voces de muerte. Voix de mort sur le Guadalquivir. L'enfant est tué par ses quatre cousins. Oh, Antonito el Camborio, mort par amour, écrit Lorca. Cierra la puerta, hijo mío, acaban de dar las once. Ferme la porte, mon garçon. 11 coups viennent de sonner. Il est temps d'apprendre une langue nouvelle. Troupe. Poème. Petite troupe. Qui s'avance à pas lents dans le vide, le trou, dans les sables mouvants de la mémoire et du réel, du rêve et de l'histoire. Petite troupe, poème, fantassin, armée secrète, canon, boîte à rythme, poèmes alliés, liens et béquilles, blindés légers, lucioles, poèmes, petite troupe de lumière, flamèche. Dans les songes de la nuit, les silences de la mémoire, les ténèbres de la langue. Poème protecteur,
quand la terreur enfouie remonte à la surface et puis s'éloigne, s'efface et disparaît. La logique et l'errance. Pierre Bayle, le penseur des droits de la conscience subjective, compare son dictionnaire critique au cinquième des travaux d'Hercule. « C'est vouloir nettoyer les écuries d'Augias », écrit-il en 1692. Après avoir accompli des travaux glorieux, rappelle Olivier Abel, Hercule s'attaque à la tâche la plus difficile de toutes, nettoyer une écurie. Un amas d'ordures, un entassement massif et divertissant. Ne pas prétendre dire la vérité, mais chercher à dire juste, associer la logique et l'errance. Je vais terminer par la lecture d'un texte en prose qui clôt le volume et qui s'intitule « Le citronnier de Calamos ». Place d'Aligre, le brocanteur avait eu un sourire. La voix tremblant de je ne sais quelle émotion, lointaine, je lui avais demandé le prix d'un lot de cahiers d'écoliers, jamais servi depuis 1936. Une bouchée de pain, 3 francs 6 sous, et si je voulais même avec, je pouvais prendre les buvards et pour 10 francs de plus, emporter l'encrier de pupitre en porcelaine. Il avait même des plumes sergent-major et des porte-plumes en merisier ou en ivoire. Les gens adorent ça, disait-il. J'en vends tous les jours, moi, je sais pas ce qu'ils en font. La nostalgie, quoi. Pour 15 francs, j'emportais le lot. La dépense entrait dans les frais du voyage. Je choisis le cahier le plus abîmé, à la couverture bleu pâle, taché et déchiré par endroits, pour le glisser dans mes bagages. Un énorme sac à dos noir. Et puis un vrai barda. Deux pauvres chemises, deux pantalons de toile bleue, un pull vert noir, un duvet, une tente et des livres. Cortazar, Sophocle, Rimbaud. Le train couchette partait en début de soirée de la petite gare de Bercy. Aux côtés des trains régionaux, pour la Bourgogne ou l'Auvergne, dormaient les sleeping des Ferrovie dello Stato. Sur le panneau des départs, entre Mâcon, Auxerre, Clermont, Moulins, se glissaient Venezia, Rome, Firenze et Milano. Notre premier voyage. À Ferrare, on planta la minuscule tente canadienne près d'un champ de maïs, à 3 km du Palazzo Schifanoia et du Castello Estense, où le Tasse, en piteux état survivant à soi-même, se creva de sucre et de folie. Baroque, vie, ville italienne qu'à vélo nous arpentions, rieur, joyeux, devinant sans doute le souffle que ce pays-là nous donnerait un jour. Italie, Italie gris-gris. Porte-chance, porte-bonheur, porte-plume, nous y retournerons. Pour l'heure, ce n'était qu'une escale, une halte, mais trop rustres encore, trop gaulois, nous devions pousser plus loin la quête et dans la Méditerranée mettre à tremper notre barbarie. Nous avons quitté la plaine du Pô, passé Ravenne, nous avons longé la côte adriatique et les plages autour de Rimini. Arrivés à Ancône, 3 km séparent la gare de l'Embarcadère pour la Grèce. Nous les avons parcourus sous le soleil de midi, à l'esprit déjà comme un pressentiment. Il fallait attendre l'arrivée du paquebot. Nous sommes restés des heures à regarder le quai désert écrasé de chaleur. La ville flottante accosta. Nous nous sommes engouffrés dans ses ruelles et ses souterrains. Nous dormions sur le pont avec d'autres fauchés. Révélation de l'aube au large du canal d'Otrante. Évidente splendeur. Sans voix. Les barbares. À Patras, une stupeur différente nous saisit. Il fallait enjamber une rambarde rouillée, marcher sur une route trouée, se frayer un chemin parmi les gravats. La petite gare sortait droit du XIXe siècle et le taco poussif donnait au Péloponnèse des airs de cordillère des Andes. 5 heures pour rejoindre Athènes l'impossible, d'où l'on s'échappa au plus vite, quelques jours après, au petit matin, en autocar. Le chauffeur avait eu un petit sourire lorsque nous lui avions indiqué notre destination. Mythicas, nobody go there. Only Greek people, it's beautiful, you must go to Calamos. Il nous l'avait assuré, il nous déposerait au bon endroit, au centre de la petite station balnéaire d'Acarnanie, dont nous ignorions tout.
La nuit tombée lorsque claqua la soute à bagages. Le bus démarra aussitôt. Un hôtel se trouvait à deux pas. Le patron guettait. Il se précipita à notre rencontre, parlant italien, espagnol, anglais, français. Oui, il avait une chambre, superbe, avec un balcon donnant sur la mer. Very beautiful. Très beau. You like it, not expensive. Come on. On topa. De la terrasse du restaurant s'élevait un air de rebetiko, le bruit des verres entrechoqués, des rires d'enfants et des conversations animées. Un jour, sur les coups de midi, nous avons pris l'unique route traversant Calamos. Le soleil cognait. En une heure de marche, nous pensions arriver de l'autre côté. Mais les routes grecques sont trompeuses et au bout de 3 heures, nous étions encore au milieu de la végétation. Nous marchions, soleil en face, mal chaussés, nos pieds brûlés, saignés. L'heure de la dernière navette était largement dépassée lorsqu'apparurent les maisons du hameau d'Épiscopie. Nous ne pourrions rentrer à l'hôtel et nous mettions tous nos espoirs dans l'hospitalité de nos hôtes. Ils nous accueillirent avec plaisir, surpris par notre insouciance. Ils nous offrirent à boire. Nous imaginions dormir à la belle étoile, sur la plage. Ils nous trouvèrent un toit pour la nuit, la maison voisine étant inoccupée. En quelques minutes, nous passions du rang de vagabond à celui de locataire d'une grande maison. Nous tombions de sommeil, impossible de dormir pourtant. Une fois allongé, le vertige nous prenait. Le sang battait aux tempes, la nausée montait, la tête dodelinée, douleurs, hallucinations, faim, fièvres et frissons. À 2 heures du matin, tremblant sur la terrasse de la grande maison, nous laissions le vent agir sur nos corps. Le calme finit par venir et avec lui le sommeil. Au matin, encore assommé par l'insolation, la bouche pâteuse, le crâne douloureux, on cherchait de quoi reprendre pied. En ouvrant une porte dérobée, je découvris un petit jardin ensauvagé. Au milieu des herbes folles, un citronnier offrait ses fruits. Je cueillis des citrons gros comme le poing et le pressai dans un verre d'eau. Ce breuvage nous ramena à la vie. Vers midi, le patron de l'hôtel, alerté, vint nous chercher en Zodiac. Fendant les flots, le canot pneumatique fonçait vers le village, tandis que nous regardions s'éloigner les rivages de Calamos, l'île du Roseau, où nous avions trouvé une force nouvelle. La solaire expérience nocturne ouvrait des horizons dont le papier ne saurait rendre compte. En rentrant à l'auberge, je déchirais les quelques pages griffonnées dans mon cahier bleu. Plutôt la vie. Et tant pis pour les arts et lettres. Oui, plutôt la vie, et que la littérature vienne de surcroît, après l'incandescence de l'instant, car rien ne vaut l'expérience du monde, son goût d'amour, de sel et de citron.